Sébastien Tellier, barbu made in France, revient bientôt avec un nouvel album enregistré entre Paris et Rio et livre aujourd'hui en exclu au Bifort un extrait de son premier clip. C'est posé l'ombre du grand condor. Son titre, Adulte, évidemment. Niveau jeu de bagnole, à partir de cet automne, il va falloir compter sur un nouvel entrant, The Crew, dont un premier trailer alléchant vient de tomber. Et la grosse nouveauté, c'est qu'il s'agira d'un monde ouvert où vous pourrez affronter vos potes, voire même vos bandes de potes, customiser vos bagnoles, faire des missions, etc. etc. Du bitume dans ta console. Avec un tableau en liège, des punaises, des élastiques et beaucoup d'imagination, Guillaume Blanchet, réalisateur français, a créé un court-métrage complètement fascinant. Un court composé de 10 000 photos et qui a été présenté dans 80 festivals à travers le monde, c'est légitime. 50, c'est le chiffre du jour et c'est le pourcentage de la population afghane qui aurait moins de 16 ans, ce qui veut dire que la moitié des Afghans ne peuvent pas rentrer dans un sex shop et que le pays a des gros problèmes de carte 12-25. Géopolitique pour les nuls. Neighbours, c'est l'histoire d'un couple, Rose Byrne et Seth Rogen, qui voient s'installer à côté de chez eux une fraternité, sorte de BDE américain. Au début, ils veulent la jouer cool. Puis, il y a trop de bruit, ils appellent les flics et c'est le début de la guerre. L'occasion pour les créateurs de C'est la fin de balancer des scènes gratuites et absurdes. Great. That's really funny, guys. Rafraîchissant.